Bonjour, alors voici un deuxième album, je suis toujours sur le thème Harry Potter. Je vous montre la Silver Box que j'ai mise sur la couverture avec des mini perles. Là c'est une déco en bois. Là il y a aussi une déco en bois Never Stop Dreaming, n'arrêtez pas jamais de rêver. Et des petites breloques, alors il y a une chouette, une clé, une plume, un petit cœur. Une déco métallique et de ce côté-ci une étiquette en cuir design by me. Celui-ci est fermé avec un ruban. Et voilà la première page. Donc il y a une étiquette de ce côté-ci. On peut mettre une grande photo derrière. Je vais aussi vous le mettre comme ceci. J'espère que vous verrez mieux. Alors, ça ici, ça s'ouvre et ça se rabat pour mettre plusieurs photos. Et on peut mettre une petite photo là, une plus grande là. C'est plutôt comme ça. Voilà. Ici. Ici, on a des tags. On peut écrire un petit truc derrière. Et pour le quai 9 3 quarts, là, j'ai fait des rabats. Voilà, ils sont tout été montés. La suivante. Là, avec une flipette, ça tient les rabats pour mettre plusieurs photos. Voilà. Et de ce côté-ci, donc normalement, le nœud aurait dû être fait. Voilà, ça fait comme ça. Et là, c'est un accordéon. Pour mettre aussi 2, 4, 6, 8, 10, 11 photos. Et bon, je le referme là cette fois-ci. Voilà, là, il faudra que je brûle parce que ça commence à se filocher. Et là, ça s'ouvre. Encore pour mettre des photos. Alors là, c'est pour mettre aussi une place photo. Et là, il y a une shaker box qui s'ouvre aussi avec les quatre maisons. Et là, on peut mettre une photo. Sur la page suivante, il y a une enveloppe avec deux cartes. Et ici, trois autres. Pour ce côté. Et là, deux autres tags. Les deux petits carnets. Alors, celui-ci avec Hagrid. Pour mettre trois photos. Et celui-ci, trois autres photos. Avec Dobby. Là, il y a une petite cage en bois. Page suivante, toujours une pochette. Parce que dans les pochettes, on peut mettre des cartes, des tags. Et donc plusieurs photos à chaque fois. Donc là, il y a Hermione et Harry. Ces étiquettes. Et ici, normalement, ça tient comme ça. Je la resserre un peu. Voilà. Là, donc c'est dans ce sens-ci, comme ça on peut mettre des photos carrées. Alors que l'autre, là, je l'avais fait pour mettre des photos plutôt en hauteur, et là des photos en largeur, mais petites, et là des plus grandes carrées.
Là, on trouve la carte du maraudeur. Et là, la partie de Quidditch qui s'ouvre ainsi. Là, un endroit pour écrire un petit truc ou une petite photo, mais c'est vraiment trop petit. Donc, on retrouve la rue. Voilà. Là, le train avec deux étiquettes et une enveloppe où on trouve une sorte de mini-album. On peut glisser d'autres photos aussi dans l'enveloppe. Il y a une petite chouette en bois. Voilà. Donc on est arrivé à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, je coupe ça. Voilà. Dites-moi si vous pensez qu'il manque des choses, qu'il y a des choses qui ne vont pas, etc. En bas, sous la vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.